Voilà, ça fait ça. C'est trop beau, non? C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Putain, mais quand tu vas visiter ça, mon gars. Oh. Fouah, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Je époustouflé, époustouflé. C'est magnifique. J'adore la 1.18. J'adore la 1.18. Oh. Oyez, oyez, vous étiez censé voir ma tête dans cette vidéo, sauf que voici ce que j'ai découvert au montage. Oui, ça c'est ma caméra qui filme ma tête normalement. Ouais, c'est pas super palpitant comme vue, du coup tant pis, vous n'aurez pas ma tête, mais vous la verrez dans la prochaine vidéo. Pour cette vidéo, j'ai installé la Snapshot expérimentale 2 de Minecraft 1.18 pour qu'on la découvre ensemble. Ah oui, je fais des live Twitch sur Minecraft aussi, généralement le soir, on s'amuse super bien les gars. Et là, vous verrez ma tête, c'est sûr. Allez, bonne vidéo! Quoi de mieux pour introduire Minecraft 1.18 que ça? Paf! C'est énorme! Des grands pics de glace, je crois que c'est un nouveau biome, je dis pas de conneries. C'est un nouveau biome de Minecraft, regardez ce pic qui est énorme, le pic de glace quoi, il est immense. Immense. Voilà, donc ici c'est un, je crois que c'est un nouveau biome, voilà, qui vient d'apparaître juste en dessous de ce village. C'est immense, donc c'est vraiment, ils ont ajouté que des choses montagneuses, c'est beaucoup plus de relief que ce qu'on a pu connaître sur Minecraft. Avec des nouvelles cavernes, etc. Ça, je vous en parlerai un peu. Oula, ça, il y a des petits bugs. Alors, désolé si ça bug un peu parfois. Voilà, c'est mon jeu qui a du mal. Mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup plus de blocs, beaucoup plus de choses comme ça. Regardez-moi ces énormes pics. Ils sont immenses. Ils sont immenses et c'est stylé. Ça rajoute beaucoup de diversité. Genre, le paysage est super beau maintenant. Genre, c'est super beau de voir alors, c'est plus des collines que des montagnes, ça. Hein, mais de voir des énormes collines comme ça. Ça change et ça fait du bien aux yeux, ça fait du bien aux yeux, ça redonne du nouveau à Minecraft. Et là, on a des montagnes là-bas. Ici, on a encore une colline, voilà, avec des arbres au-dessus. Donc, on est en colline pleine, quoi. C'est un peu une plaine. Et là, si on monte, alors, si on monte, regardez. Cette colline et cette montagne même. Montagne, alors montagne de un peu fail, hein. Parce qu'il y a toujours la génération un peu foireuse du sable avec juste après de la neige. Voilà, ça, c'est un peu foireux. On va pas se mentir, ah, c'est carrément de la neige sur du sable. C'est encore plus foireux, mais bon, bref. Je pense que ça sera réglé, hein. C'est juste une snapshot expérimentale, donc c'est vraiment, voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement immense, tellement beau maintenant. C'est beaucoup plus beau, hein. Attends, j'ai hâte d'avoir les shaders là. Les shaders et tout pour vous faire montrer tout ça, ça doit être magnifique. Magnifique, regardez. Là, on a quand même, on va pouvoir faire des choses. Il y a des gens qui pourront tourner des films ici. Il y a des gens qui pourront tourner des films ici tellement c'est beau, quoi. Genre, Hollywood va nous contacter. Ouais les gars, Mojang. On a besoin de vous, vos montagnes elles sont beaucoup mieux que celles réelles quoi, tu vois, tellement c'est beau. Non mais c'est ouf en vrai, je trouve ça trop trop beau. Les gens parfois qui n'aiment pas Minecraft ont l'impression que c'est très plat etc. Et bah là, on leur dit, est-ce que Minecraft c'est plat? Minecraft c'est pas plat les gars. Là Minecraft il y a tout sauf du plat quoi. Non mais c'est des énormes collines, c'est vrai que ça change et ça rajoute énormément de choses au jeu. Et ça rajoute du vivant, je sais pas comment dire mais... Bah plus de réalisme et du coup plus de vivant. Mais regardez ces énormes, alors ça c'est très rare hein. Enfin Minecraft on n'avait jamais ça. Les énormes là la vallée comme ça. Mais c'est fou, mais c'est trop beau. Mais c'est juste maléfique. Le mec qui en peut plus tu sais. Non mais c'est vraiment bien, oh. Ça continue hein. Et ça fait vraiment un... Oh non c'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus beau qu'avant, c'est beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus immense quoi. Genre beaucoup plus immense. Ouais c'est ça, c'est beaucoup plus immense, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est ça, c'est vrai que c'est le mot un peu. Beaucoup plus spectaculaire, non mais je kiffe ça. Alors apparemment il y a des nouvelles cavernes, tout ça. Et là, mais là je n'en peux plus, j'ai juste envie de voir tous les biomes, comment ça fait là. Non mais regardez, regardez comment c'est bien fait. C'est trop trop beau. Putain ça va être tellement mieux de visiter tout ça là maintenant. Là il y a de l'eau. Il y a de l'eau et puis on peut aller dans d'autres trucs. C'est vraiment des cavernes d'eau quoi. Non mais ça va tellement être mieux. En vrai les survies là-dedans vont être magnifiques. On va pouvoir, alors ceux qui aiment l'architecture et tout, on va pouvoir faire des trucs les gars. On va pouvoir faire des trucs en survie qui vont être énormes. Genre vraiment énormes, énormes, énormes. Regardez, mais là pareil, regardez. Là quand on voit on se dit, ah oh, c'est une rivière, mais non. C'est une grotte en fait en dessous, regardez, c'est une grotte immense. Attendez, mais je vais mettre en... Je vais mettre une potion de night vision. Vous allez voir que... Je galère, voilà. Vous allez voir que c'est full, full, full. Regardez. Regardez, c'est immense. Et genre maintenant, du coup, il y a ces mobs là qui spawnent là, les squids un peu. Enfin, les pieuvres un peu éliminés comme ça là. C'est trop trop beau. Toutes les cavernes luxuriantes et les cavernes avec les stalactites et les stalagmites, maintenant ça va être spawn naturellement. C'est-à-dire ça va être généré naturellement. On n'aura plus besoin d'aller dans des paramètres, etc. pour les mettre quoi. Ah, ça va être beaucoup plus logique, mais joli. Oh, regardez, mais le village est. Oh, what the fuck. Ça, c'est pas normal par contre. Ça, c'est pas normal. Par contre, c'est trop beau. C'est pas normal du tout.
Y'a pas un bug, Mojang, là? Non? Après, c'est expérimental, je sais, c'est normal, mais bon. Attends, mais ça, c'est... Vous savez, les cavernes dans la Seigneur des Anneaux, un peu, les trucs avec les gobelins et tout, bah c'est ça. C'est ça, mais pour les villageois de Minecraft, quoi. Regardez, l'eau qui descend ici. En vrai, tu t'installes ici, t'es trop bien. Putain, mais j'ai trop envie de faire une maison ici. Genre, t'arrives, tu vois ça en survie, mais tu t'installes direct. Tu t'installes direct. La montagne, là, monte à 155 blocs. Énorme, 155 blocs. Avec des immenses trous comme ça, putain, mais... Oh, regardez. Regardez comment c'est trop beau. Putain, mais c'est immense. Mais moi qui me perdais dans les grottes, mais oh là, mais attends, mais si tu... Par contre, si tu descends tout en bas de la grotte... Vas-y pour monter, mon gars. Vas-y pour remonter après. Mec, t'imagines, t'es ici en survie pour remonter. Oh la galère, comment ça va être chiant, par contre. Regardez comment ça descend bas. Regardez. On est dans une montagne. Hein. Comment ça descend archi bas. Oh. Mais c'est terrible. Non mais putain. Mais what the fuck. Mais c'est immense. C'est immense. Pourquoi ils ont fait ça? Enfin justement trop bien qu'ils aient fait ça. Mais putain, mais t'imagines, t'es en survie, t'es au milieu, t'es là. Mec, y'a du diamant ici. Et genre t'es là et y'a plein de meubles. Et tu vas te faire déglinguer. Tu vas te faire déglinguer. Putain, mais t'es là, par contre, mais moi je vais me perdre, hein. Déjà je vais me perdre dans les grottes tout le temps. Mais alors là je vais me perdre mais fois mille, hein. Oh mais venez jouer à Minecraft là, hein. Vous avez plus de raison de ne plus jouer. Mais wow. Putain. C'est un pilier juste ici. Et là. Mais c'est trop beau. Et là on a une caverne luxuriante. Mais c'est magnifique. Vous imaginez avec des shaders, mais putain, mais tu fais des paysages, mon gars. Mais c'est trop beau, c'est trop trop bien. J'ai envie de m'installer ici. Je vais faire une maison aussi ici. What? What? Mais c'est... Mais what? Mais... C'est tellement... Genre... Wouah, mon gars, regarde ce que c'est. C'est des énormes stalactites et stalagmites. Tout ce que vous voulez. Tout ce qui commence en stalag, machin, là, c'est... Il y en a partout. Il y en a partout. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau. Et ça continue, hein. Et ça continue, hein, les gars. Et ça continue. On est dans la caverne luxuriante, dans le monde normal. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Qu'on puisse trouver ça dans le monde normal, maintenant. C'est vrai que sur 1.17, du coup, les gens étaient un peu déçus qu'il y avait pas, qu'il y avait pas ça. Enfin, perso, j'étais déçu, moi. Et je crois d'autres aussi, hein, donc non, là, c'est grave, grave cool. Mais regardez. Oh. Attends, ça, c'est une caverne luxuriante, ça. Mais elle est immense. Mais pardon, mais... What? Ah ouais, alors ça, c'est... Ah ouais, alors ça, c'est de la caverne luxuriante. Alors ça... Alors ça, mon gars... Alors ça, mon gars, si t'aimais pas les cavernes luxuriantes ou quoi... Wow, c'est magnifique, c'est trop, trop beau. Voilà, ça fait ça. C'est trop beau, non? C'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Putain, mais quand tu vas visiter ça, mon gars... Wow, c'est magnifique, c'est trop, trop beau. Je... Époustouflé. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. C'est magnifique. J'adore la 1.18. J'adore la 1.18. Putain. Putain, mais je reviens pas. Je reviens pas. C'est waouh. C'est waouh, waouh, waouh. Putain, t'es ici, mais regarde la vue que t'as, mon gars. Oh là là. Oh là là, c'est trop beau. Trop beau. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi. On vient de passer une étape, je crois, sur Minecraft. On vient de passer un truc. La 1.17 était cool sur ce qu'il nous apportait, mais je crois que la 1.18 va être énorme, va révolutionner Minecraft. Comme les dernières versions là qui sont sorties. Là, la 1.18 va révolutionner Minecraft. Et c'est pas fini, on est encore loin de nos surprises, je pense. Donc, bah, j'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte que tout ça sorte. Là, c'est encore expérimental, c'est encore voilà. Mais déjà, rien que le truc, c'est déjà un test et c'est déjà magnifique. Donc, imaginez quand ce sera officiel. Ça va être ouf, ça va être ouf. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis ciao. J'espère que vos vacances se passent toujours bien. Et puis voilà, allez, ciao.